un spectacle qui est dans la rue et qui est pendant 15 minutes, on évolue autour de tout ce qui est l'environnement urbain. Voilà, donc c'est un spectacle qui s'appelle Ruée. Et donc on est 5 artistes performeurs, on est 4 personnes qui viennent de la danse et une personne plutôt qui vient du parcours, qui est un traceur. Qui est un spectacle qui rend hommage au vivant et qui s'interroge sur la notion du vivre ensemble dans notre société actuelle. Voilà, j'étais accompagnée du danseur Mathieu Chérig. C'est une création qui se fait dans une démarche éco-responsable pour limiter notre empreinte carbone sur l'environnement. Les mannequins, c'est une image de l'être humain actuel. De l'être humain qui peut parfois se figer, qui peut parfois être dans une beauté très lisse, très esthétique, et qui finalement est assez statique et observateur, mais n'agit plus tellement. C'est une performance radiophonique qui s'appelle Point de suspension. C'est une performance qui est participative. Les personnes sont invitées à participer à une performance dans laquelle ils ont plusieurs bandes son différentes et sont amenées à déambuler dans le jardin de ville et à écouter à la fois de la musique, des témoignages et des récits qui traitent aujourd'hui du coup de l'écologie, du rapport à la nature, de ce genre de choses. C'est un voyage à vivre, c'est une expérience aussi à l'écoute de personnes qui se posent des questions sur le rapport au vivant, le rapport à la nature, le rapport à soi-même, à des questionnements qu'on a aujourd'hui et des préoccupations qu'on peut avoir aujourd'hui. Et on cherche à le faire à travers une démarche qui est plutôt poétique, qui est plutôt décalée et poétique. Mexico, Mexique. Le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Comme vous pouvez le voir derrière, on a un karaoké, une personne qui chante et toute la chaîne audio est alimentée par des vélos, des générateurs qui sont reliés à un système de pédalage.